Il y a un panneau de se régaler ici. Très élégant pour commencer ça, hein. La petite visite. Il y en a qui sont vachement inspirés quand ils s'y mettent. Salut tout le monde. Alors, on se retrouve en pleine nuit, il est 1h du matin. Et on est au sanatorium de Nestor Pirotte, où on va faire un petit urbex. On va aller visiter ça de nuit. Je suis pas tout seul. Comment tu te sens là? Moi perso je me chie dessus, mais c'est qu'un détail. C'est toi qui disais juste avant, avant qu'on parte, je t'avais proposé entre château ou hôtel psychiatrique. Bah ouais, parce qu'avec l'adrénaline, tout ça, voilà, ça me fait... Moi je t'avais proposé qu'on commence doucement avec un château. Ouais, parce mais que je les pensais châteaux... pas que ça serait aussi impressionnant. Ah bah c'est sûr qu'entre voir ça sur internet et voir le reste en vrai, il y a une différence. Puis, il y a le fait aussi que ça soit de nuit. Hein. Ah bah oui, mais en même temps si c'est 2 jours c'est pas marrant. Après 2 jours on fait du repérage, hein. Mais 2 nuits on visite. C'est plus drôle. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la visite de l'intérieur du sanatorium. Allez, ciao tout le monde. Et bon visionnage. Déjà, on aura l'entrée. On a l'entrée là. Ça va aller? Oui. Ça va être sympa. On va bien se marrer, je pense. Eh, on voit carrément rien. Fais voir avec ta lumière. Même avec ton flash, on voit que dalle. Bon, en tout cas, ce qu'on voit pas là, mais qu'on verra plus tard quand on se rapprochera, au bout là, de là où je filme, il y a un petit bâtiment. Tout le tour là, c'est boisé, et là où je refilme encore, il y a un autre bout de bâtiment. On aurait peut-être dû prévoir vraiment une grosse flashlight. Mais bon, c'est pas grave, on verra quand on sera dans le sanatorium. Ça fait lugubre. Oh, des chiottes! T'as pas envie d'aller faire pipi? Oui! Non, ça, je... non, ça va aller. Ouais, je suis en train de le prendre, la mousse. Bon appétit! Oh, la merde, non? Ah ouais! Il y a des casiers. Bischoff. Hey, il y a encore le nom des gens qui ont bossé là. Ah, c'était les vestiaires pour que les meufs elles changent. Et les meufs travaillent là. Bah, les meufs. Je sais tout, moi j'ose même mecs, pas. Hein. Je regarde juste avec les yeux en fait. J'ose même mais pas moi je suis excitée en fait, donc du coup ça me fait. Oh putain, la lampe est venue, c'est parti. Donc là, on vient de. On est actuellement dans les vestiaires. Où, apparemment. Les gens pouvaient certainement stocker leurs affaires ou se changer ou quoi que ce soit, je sais pas. Il y a un appel. J'ai réglé ma belle sur le truc. Et moi je me casse, je peux pas de ma belle moi. Putain, un gros. Hein? Ah ouais? Bon, écoute. Bon, de toute façon, la visite est loin d'être terminée. Donc, donc là, c'est l'entrée où on est arrivé. Mais on voit que c'est quand même un squat. Parce que toutes les vitres, enfin les portes cassées, les portes vitrées cassées. Avec le plafond qui tombe en ruine. Faut vraiment faire attention parce qu'on marche quoi. Qu'est-ce que t'as trouvé ici? Le dessin. Oh. Ouais, ça devait être certainement un genre de crèche peut-être. Marie, Pierre, Esgui, Louis, Sophie, Ayoub et Pierrot. T'imagines, t'appelles ton gamin Esgui? Ouais, bah, personnellement, je l'appelle même pas comme ça. Hein. Le pauvre, il va souffrir toute sa vie. Hein. Pour de vrai. Hein. Dessin? Ouais. C'était quoi le dessin animé là? Ah, c'était Bienvenue dans la jungle ou un truc comme ça? La famille de la jungle. Ouais. Il y avait Jacques dedans, vous savez. Oui, il y avait Jacques dedans. C'est la famille de la jungle. Tiens, vous sortez. Ben, on va... Et on voit l'état de délabration de la... Ouais.
Délabrement, délabration, délabrement, c'est mieux. Délabrement, ouais. Délabration. Non, mais j'invente des mots. Bah, je suis pas en train de dire. Il y a une lumière dans le fond, je sais pas c'est quoi. Il y a des choses qui se passent, ça mais nous, ça, j'ai envie d'y aller, mais pas trop parce qu'il y a les. Mais c'est juste le jardin en fait. D'accord. Bon, par contre, si tu veux faire tes besoins, tu peux. Hein. Oui, non, non. J'avais même pas vu qu'il y avait le plafond qui tombait. Avec la laine de verre qui pend là. Tu crois qu'elle date de 97 la chaussette? Je sais pas. Tu pouvais sentir. Non merci. Non mais avec les squats, t'as... Ah c'est une... Hey, c'est une chaussette d'enfant. Mais arrête. Tu l'as fait. Ça c'est pas ça qui m'a fait peur, je l'ai entendu dire. Ah c'est Alors là on est dans la salle de bain. Ah mais fais pas ça. La salle de bain, toilette. Là on peut supposer que c'était les douches anciennement. Ouais c'est ça, c'était les douches. Et ils avaient des douches attitrées hein. Ouais. Bah regarde là, il y a une étagère avec le prénom du petit Ayoub. Tu parles de ça comme si tu l'avais. Yannick, Angélique, Kevin. Ouais, ça date de pas longtemps. Et donc, ouais, c'était bien les douches. J'ai pas peur de pas avoir des verres. En 97, j'avais 4 ans. J'avais 2 ans. Moi, j'avais 2 ans. J'avais 2 ans. Mais en fait, ça va, c'est pas si dégradé que ça, en fait. D'ailleurs, c'est pas un sanatorium. Ouais, non, hein? Le sanatorium, tu verras que c'est... Oui, non, mais je sais, mais je me doute. Bah, ça doit être autre chose que ça. Là, on est encore petit. Oui, oui, non, c'est que le début. Oh la vache. Et il y a encore les mémos, les mémos de 97. On revient vers la sortie par là. C'est 2001, non? C'est 2001, ça. Ouais, ils l'ont fermé définitivement en 97, mais après il y a dû encore avoir un peu de mouvement. Et les codes. Voilà, ouais. C'est 2001. Donc. Bah, comme ça, on a vu qu'il y a des trucs de facilité, ils ont mis des gens ailleurs. Bureau, du bon, je vais aller dans le bureau. 2001. Ouais. Là, ça fait, hein, c'est de la fin. De la mort. Oui. J'ai connu un peu. Viens, on va voir s'ils ont fait le truc. On change de bâtiment. Pourquoi c'est la sortie là déjà? Ouais, mais c'est pas là où on est rentré. Là, il est pas là. Tu voudrais carrément faire un reportage. Gauche, droite. Attends, j'essaie déjà de me repérer par où on est venu. Très élégant pour commencer ça, hein. La petite visite. Il y en a qui sont vachement inspirés quand ils s'y mettent. Mais on voit que c'est quand même un squat. Vu le nombre de tags qu'il y a, soit il y a des squats, soit tout simplement il y a des gens qui viennent. On a vu à l'entrée des billes d'airsoft. Donc on peut supposer qu'il y en a qui viennent s'amuser ici de temps en temps quoi. Là on se retrouve dans la cuisine. Satan, avec un zizi encore. Intelligent. Très intelligent. Mais on retrouve souvent des traces de brûlure dans les bâtiments. Donc est-ce que justement ce sont les squatteurs qui s'amusent à faire brûler des choses? Ou bien est-ce que ce sont des traces d'incidents qu'il y a eu lorsque les bâtiments étaient encore actifs? Et c'est ça qui est formidable. C'est que les bâtiments sont encore là malgré tout. Alors qu'on aurait pu supposer qu'au bout de 20 ans, ils auraient pu peut-être détruire pour reconstruire quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire avec les bâtiments en les gardant comme ça, mais... Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais t'es en train de dire s'il y a un autre groupe comme nous qui est en train de visiter les lieux. Et tout. Eh ben, on fait la visite ensemble. Ouais, ça veut dire si ils si, ont pas. Oula, vous n'êtes pas ici si vous avez peur des araignées. J'ai une belle là-dessus. Ok, je vais mettre ça là, ça va aller. Je elle est partie là-dessous. Ah, bah, elle est juste là au bord. Non, non, il y a de, c'est ce que je voulais dire, je l'avais bougé là. Non, elle est morte, c'est que l'exosquelette, c'est une mute. L'autre, elle est là-dessous. Ah. Vous inquiétez-moi. Mais je vous avouerai qu'on a quand même hâte d'arriver au sanatorium. Parce que là, ce ne sont que des bâtiments annexes. Mais le sanatorium se fait envier quand même. Salle d'entraînement physique. Oh. C'est pas des, ce sont pas des bureaux ici. C'est quoi? Là, regarde ici, là, c'est une salle d'entraînement. Donc ça devait être un ensemble. Regarde là, ça c'est le mur où tu fais les tractions. Enfin bref, en tout cas on attend la suite. On va chercher un peu plus en profondeur le sanatorium. Et on se capte là-bas. Et ça y est, on est dans le sanatorium. Nous sommes dans des bâtiments annexes du sanatorium. On commence la visite. Bon, apparemment on n'est pas tout seul dans le... dans le complexe, on a entendu des sifflements, des personnes qui seraient aux alentours. Donc, on va rester sur nos gardes, on se méfie, on ne sait pas sur qui on va tomber. On a ici deux flippettes là, qui commencent à pas être assurées. Et là, on a un colosse qui a pas peur, qui est prêt à taper comme moi. Impeccable. Un trou du cul qui fait chier, bam, ta gueule, boum. Réserve de nourriture. Freeze, it's cold here. Okay. Non, tu touches pas mon trépied. Si tu trouves mieux que mon trépied, tu prends. Tiens, là, le bout de PVC par terre, tu le prends. Moi, t'as vu dans quel état il est. Tu préfères que je me fasse... Qu'il m'arrive quelque chose ou que je tape avec ton trépied? Non, tu prends le bout de PVC. Bref, on va continuer la visite. Je cut. Donc là, ça y est, nous sommes dans le sanatorium. On fait les premiers pas dans le sanatorium. On reste groupés surtout. Très bonne initiative. On a enfin atteint le sanatorium. C'est génial. Donc là, on va commencer la visite. Là, bon. Là, on est sur une entrée qui donne sur un arrière-cour. Bon, en vrai, il fait trop froid. J'ai les mains gelées. Oh la vache! Le couloir, comment il donne? C'est... ouais. Mais... Ça fait vachement peur. Non mais les bruits, je pense que ça doit être... Ah, attendez. Position de mortier. C'est pas super rassurant. Pourquoi? Un mortier, c'est une machine de guerre qui envoie des projectiles, genre des obus, sur des longues distances. Bon, allez, on continue. En face de la porte d'entrée. Insta. Ouais, bon, ok. Et l'état de... de la clinique est vraiment délabré. Je veux dire, il y a des bâtiments partout. Enfin, les bâtiments sont... Tout est renversé d'où partout. Les murs sont tombent en ruine. Waouh. Là, on a une pièce avec des casiers. Je crois qu'il y en a un qui s'amuse à faire une scène de crime.
L'escalier, ça monte après. Ouais, ascenseur. Je me souviens de ton beau escalier. Alors, par contre, là-haut, c'est un peu plus. L'ascenseur à l'ancienne. C'est excellent. C'est marrant, c'est marqué danger de vivre sur le. C'est pas danger de mort, c'est danger de vivre. Ah lui, il a dû arriver. D'accord. En vrai, l'hôpital était vraiment ouf. Je pense qu'on peut commencer par l'étage, donc on clôture l'étage d'abord. On clôture l'étage et on redescend tout doucement. Bah, honnêtement, moi aussi j'irais bien. Ce serait excellent si on pouvait accéder. Non mais ce serait excellent si on pouvait accéder par exemple au toit. Ouais, on va tout en haut. On va tout en haut d'abord. Comme ça, s'il y a des petits malins, on les croisera peut-être. Donc là, on est monté tout à l'étage. On est monté tout en haut. Et on est en train de visiter ce qui ressemblerait aux chambres des anciens résidents. Et on est en train de faire tout le tour du bâtiment. Et apparemment... C'est hyper glauque le dessin qu'il a pour content. Hein ? C'est hyper glauque le dessin qu'il a. De ouf ! Eh, c'est bien voir. C'est vrai que le dessin est assez glauque hein, pour l'endroit, de toute façon. Ah, il est bien fait, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est assez glauque quand tu sais, quand tu connais l'histoire de l'endroit, en fait. On s'est fait niquer, hein, on rentre la queue entre les jambes. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, on aurait quand même pu visiter un petit peu, ça aurait été marrant. On refera, hein, on le refera. Ah, non pas, ici, avec, hein. pas avec moi. Non, mais pas, et pas moi, non, c'est bon. Moi. On prend un véhicule, on prend un véhicule de location et on se casse ailleurs. Non, merci. Après, moi, pas non plus des putes, mais non plus, hein, sur le coup. Hein. Après, je trouve que ça va, elle aurait dû se garer. Ouais. J'y ai pensé aussi, ouais. Quand le gars il a dit ouais, votre voiture a été signalée aux gendarmes, je me suis dit putain, on aurait su, on serait mis ailleurs. Ouais, mais je suis pas sûr parce qu'il a dit en plus j'aurais pu appeler les gendarmes, donc c'est qu'il l'a pas fait. Il l'a pas fait, c'est juste un moyen de pression. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est même les cartes d'identité et tout, c'est un moyen de pression. Bah, il a pas même pris nos noms, si jamais on revient. Oui, mais regarde, c'est ça, il a même pas vraiment demandé les vrais papiers, c'est juste nom et prénom. Qui te dit qu'il aurait pas dit de la merde. C'est pareil, il va rien faire, c'est juste au cas où il. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, maintenant on est dans leur registre, hein, mais je pense pas qu'on risque quoi que ce soit. Hein. Bon, enfin bref. En tout cas, c'était bien marrant, on refera ça, mais ailleurs, un endroit moins protégé. Non protégé, ok.
un endroit, bah oui, non protégé, on va pas repartir sur un truc protégé comme ça. Voilà, non protégé, non privé. Ouais, ça va être compliqué. Enfin bref, en tout cas, c'était une vidéo bien drôle. Allez, ciao tout le monde. Mm-mm.